Bonjour. En ce milieu d'automne, c'est Marseille qui nous accueille, et plus particulièrement l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées. Installé en sentinelle à l'entrée du Vieux-Port, l'Institut du Faro assure depuis 1905 une fonction de formation à l'exercice de la médecine tropicale. Le médecin général inspecteur Laroche est le directeur de cet institut. Professeur, quelle est la mission et le fonctionnement de l'Institut du Faro ? Écoutez, si on réfléchit bien, on se rend compte que les missions aujourd'hui ne sont pas fondamentalement différentes de ces missions originelles. C'est-à-dire mission prioritaire de soutien aux forces en projection outre-mer et aide aux populations déshéritées. La lutte contre les maladies tropicales doit effectivement beaucoup au service de santé des armées. Cette rétrospective de Catherine Dupuis se propose de lever le voile sur un sujet souvent méconnu. L'histoire du service de santé des armées s'est longtemps confondue avec l'action sanitaire de la France d'outre-mer, car celle-ci fut menée exclusivement par des médecins militaires. Son œuvre féconde concerne des découvertes primordiales pour lutter contre les grandes endémies des pays tropicaux. Elle fut aussi d'une grande richesse dans son approche humaniste des populations locales. Ce qui permet de dire aujourd'hui que les équipes du corps de santé des colonies furent les pionniers de la médecine humanitaire. Ce sont eux les premiers French Doctors. Le corps de santé colonial a été créé en 1890. L'un des derniers survivants de cette époque, le général Lapessoni, qui s'est illustré par ses travaux sur la méningite, nous reçoit chez lui en Bretagne pour évoquer ses souvenirs. Seule la France avait un corps de médecins militaires qui assuraient des tâches civiles, j'insiste, civiles de santé publique outre-mer. Certes, certains d'entre nous ont fait progresser les connaissances en médecine tropicale, c'est vrai, mais nous étions surtout des gens pratiques qui aimions notre métier, qui avions une excellente technique et qui la pratiquions sur le terrain. Ce sont ces mêmes médecins militaires qui ont réussi à soigner ces maladies redoutables que sont la peste, le paludisme, la variole ou la maladie du sommeil. Le médecin général Laborant découvre en 1880 l'hématozoaire du paludisme. Il sera récompensé de l'un des rares prix Nobel attribués à un médecin français. En 1891, Calmette, jeune médecin de la marine, est envoyé par Pasteur à Saïgon pour créer un centre contre la variole. Ce sera le premier institut Pasteur d'outre-mer. C'est ici qu'il fera ses travaux sur le BCG. Lors d'une épidémie de peste en Asie, Alexandre Yersin isole le bacille de la peste qui porte désormais son nom. Conquis par ce pays, il s'installe en Indochine où il passera sa vie à soigner les populations locales. Sa découverte a fait de lui un demi-dieu vénéré encore aujourd'hui par les Vietnamiens, comme nous l'explique ce médecin de Saïgon. J'emprunterai une phrase dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et pour moi, Yersin a travaillé pour nous avec son cœur et il est resté au cœur du Vietnamien. En 1932, à Madagascar, Girard et Robic mettent au point, dans l'hôpital militaire de Tananarive, le vaccin contre la peste. Dans les années 20 en Afrique, la maladie du sommeil représente un fléau comparable à l'épidémie de sida aujourd'hui. Le docteur Jameau invente une méthode révolutionnaire de prévention et de traitement et réussit avec son équipe à vaincre cette terrible maladie. Jameau a démontré, après avoir proposé sa théorie, il l'a appliquée. Et c'est une théorie de marche à pied, c'est une théorie de marcheur de brousse, c'est une méthode qui est une méthode extrêmement précise et rigoureuse. C'est la raison pour laquelle seuls les médecins militaires pouvaient l'appliquer dans toute sa rigueur. On rassemble tout le monde sur un programme bien précis que les chefs coutumiers connaissent bien. Tout le monde arrive de bonne heure le matin. Il y a 2, 3, 4 000 personnes, souvent, suivant l'importance. Il y a une vingtaine de microscopistes. On fait le diagnostic de la maladie, le diagnostic des phases de la maladie.
et ensuite on applique la première injection, de façon que s'il prend fantaisie à ce malade nouvellement découvert de ne pas suivre le traitement, ça le regarde, il met sa vie en jeu, mais il n'infectera pas les autres, parce que la première injection suffit à stériliser, à faire disparaître le trypanosome du sang d'un individu. L'œuvre de Jameau servira d'exemple à tous les médecins coloniaux qui lui ont succédé en Afrique. Le professeur Lapessoni est l'un d'eux. C'est en appliquant cette méthode qu'il découvrira le vaccin contre la méningite, autre fléau du continent noir. Ce vaccin permettra de sauver des milliers d'enfants africains. Les médecins coloniaux, c'est évident, ont toujours été des gens qui ont aimé leurs écoles de formation et leurs écoles l'école d'application. Et qui aiment être enseignés, aiment enseigner à son tour. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été à l'origine de nombreuses écoles de médecine. Nous avons formé ce qu'on appelait des médecins auxiliaires, puis ensuite qu'en Afrique sont devenus des médecins africains, qui représentaient une élite médicale importante avec laquelle tout le développement des services de santé coloniaux se sont faits avec l'aide et la présence et le dévouement permanent de ces médecins et de ces sages-femmes africains. Le passé contient en lui les germes de l'avenir. S'il y avait quelque chose de bon dans le système colonial, et je crois qu'il y avait quelque chose de bon dans le système colonial, c'est pour ça qu'il faut en parler, et c'est pour ça qu'on extrait de ce système qui était d'une efficacité opérationnelle indiscutable, qu'il faut qu'on tire ce qu'il y a de bien pour l'appliquer au programme de santé publique du futur. Professeur, le personnel de l'Institut du Faro est-il amené à intervenir directement en milieu tropical ? Oui, dans deux grands types de circonstances, si vous le voulez, dans le cadre de l'urgence, pour les actions humanitaires notamment, et des missions de longue durée. Ce sont essentiellement nos engagements au sein du ministère de la Coopération, du ministère des Affaires étrangères, moins des départements et territoires d'outre-mer, et des instituts Pasteur outre-mer. Le personnel du service de santé des armées poursuit donc la grande tradition de la médecine tropicale. Et une grande partie des interventions ont lieu dans ce milieu, aux côtés des unités engagées. C'est ce que vous allez voir avec ce reportage de Jacques Sorel. Je crois qu'on est médecin avant tout et qu'il faut savoir faire la part des choses entre les moyens qu'on a à notre disposition en France et les moyens qu'on a à notre disposition dans ce type de mission humanitaire ou extérieure. L'impression que j'ai, c'est que ces personnes ont besoin de compréhension et ont besoin d'être aidées sur le plan physique, médical, souvent sur le plan moral. Ensuite, c'est une affaire de comportement, c'est une affaire d'expérience. Je crois qu'il faut rester d'abord médecin. Je crois qu'il y a une certaine unité, une certaine égalité devant la détresse, devant la misère, devant la souffrance. Et je pense que sur ce plan-là, on retrouve un peu la même chose dans tous ces pays. Oh ouais, ça y est, on met sur le côté. Pas de l'inconfort, c'est des moyens qui sont différents et donc il faut à chaque fois s'adapter, il faut faire au mieux, j'allais dire. Il faut savoir s'adapter à toutes les situations, avoir une bonne capacité d'intégration dans les milieux et d'adaptation dans les milieux dans lesquels on se trouve. S'adapter, je crois que c'est le maître mot de toutes nos missions, c'est savoir faire face à un moment donné, avec les moyens que l'on a à notre disposition, à une certaine situation. Quand on part, on est
On ne sait pas si ce qu'on a pu apprendre, si on va être à la hauteur du travail, en fait. Et sur le terrain, on se rend compte qu'on arrive à sortir de beaucoup de situations. On a l'impression d'avoir une action vraiment utile. Pourquoi ? Peut-être pour l'envie de voir autre chose, d'aller plus au contact de certaines réalités du monde, pas seulement de la vie, mais du monde. L'aspect humain, simplement. Le contact avec les gens, pouvoir faire un minimum de choses pour eux. Peut-être aussi pour l'envie d'aider les autres, mais je crois que le métier de médecin, par définition, est celui-là. C'est vrai que le normal en France n'est pas le même que le normal dans ces pays-là. Et ce qui nous manque, ce sont les moyens modernes de traitement. Alors on en a certains que l'on peut avoir à notre disposition, mais on est limité par nécessité, ne serait-ce que lorsque l'on part dans ces pays, on ne peut pas emmener tout un hôpital ou toute une masse de matériel important. C'est une découverte. C'est une découverte de choses qui ont disparu chez nous, qui ont disparu en Europe. On en a vu des descriptions dans certains livres, on en a entendu parler. Là encore, il faut s'adapter et non pas retrouver les gestes anciens, mais essayer d'adapter les gestes que l'on a appris pour les techniques modernes à une pathologie qui est souvent dépassée ou aggravée par rapport à ce que l'on connaît en France. On revient changer sur le plan personnel quand on voit un peu ce qui se passe. Oui, c'est sur un avant et un après. En fait, on revient avec un regard totalement différent sur tout, sur la vie de tous les jours, sur la vie en général, sur même les gens qui viennent consulter ici. On relativise beaucoup ce qu'on voit maintenant, enfin ce qu'on voit sur place maintenant ici, par rapport aux malheurs qu'on peut voir ailleurs. On se dit c'est pas possible. Il y a un moment, une petite phase où on a l'impression. On a peut-être un petit peu de mal à supporter le côté assisté de la médecine générale en France. Quand on part, je sais que moi j'ai eu l'impression, après 6 mois, d'avoir laissé de fuir en fait, d'avoir laissé ma famille derrière moi. Ils ont besoin d'aide, on leur rend service du mieux que nous pouvons. Et souvent quand on part, on a l'impression de ne pas avoir suffisamment répondu à la demande. On regrette tout ce qu'on n'a pas pu faire. Je peux brancher l'oxygène. Oui, c'est là, allez. Bon. Petit coup de ciseau pour vous. C'est bon, ça passe, hein. Je vais lui faire... je peux lui faire un coup. Voilà. Two in each eyes. Morning, evening. Yeah. OK. Café d'arrière. Yeah, good café d'arrière. OK. Si elle a couché, ça va. Puis là. Non, tu es à côté. Hein. Voilà, notre magazine se termine. Je vous donne rendez-vous sur France 3 le 30 novembre. Et cette fois-ci, nous parlerons de simulation, l'univers du virtuel. Je vous souhaite en attendant une très bonne journée. Au revoir.